Bonjour à tous. Le verdict est tombé pour la principale enseigne de grande distribution. Après 2 ans de poursuites judiciaires, le syndicat du distributeur France Discount vient de frapper un gros coup en obtenant la condamnation de l'enseigne pour l'ouverture de snacks dans ses grandes surfaces. La direction obligeait la plupart des employés à reverser une partie de leur salaire à leur propre employeur pour chaque repas. Cette victoire est également celle de l'avocat Olivier Solano qui a su remporter un procès qui semblait pourtant perdu d'avance. On écoute. Après un combat acharné de plus de 2 ans, c'est avant tout un sentiment c'est de soulagement et une grande satisfaction. C'est pas rasé, ouais. J'ai remarqué. Ouais, c'est mon petit côté canin qui t'aime bien. Je suis là, je fais la télé, je suis là, je suis là. Non, mais je suis chaud. Non, arrête. Alors je souhaite que cette victoire de la dignité. Parlez sans crainte. Comme un détonateur, éveillant les consciences. Allô? Je vous remercie. Ah, oui, bonjour monsieur. Non, excusez-moi, je croyais que c'était ma femme qui me rappelait. La direction s'est contentée d'un bref communiqué. Je l'ai pas sous les yeux, alors attendez, ne quittez pas. Une atteinte à la liberté. Ne quittez pas. Non, oui. Oui, ça y est, je l'ai. Oui. La question que pose Xavier Renaud dans son dernier ouvrage. Concernant l'opération que vous dirigez à l'instant où je vous parle. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vous propose un meilleur service. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J'ai actuellement la tempe de Monsieur Solano en plein viseur. Et ma proposition sera sans doute plus compétitive que celle de vos prestataires actuels. Pourquoi je travaillerai avec vous? Vous savez qu'une opération de ce type nécessite la fiabilité et la discrétion de chacun, afin d'éviter tout dommage collatéral. Et le fait que je sois au courant de cette opération, que je connaisse son lieu, sa cible et votre numéro de téléphone ne prouve qu'une seule chose. Votre prestataire a été négligent en amont du dossier. Combien proposez-vous? 10% de remise pour une première opération et 30% d'offert si une deuxième balle est tirée, soit un total de 190 000 pour les deux cibles. Les deux cibles? L'homme est avec sa femme? Vous en êtes sûr? Sûr. 190 000. 150. 165. Rappelez-moi dans 5 minutes. Toujours là? Toujours. Écoutez, je vais être franc parce qu'on travaille avec vous depuis longtemps. Un concurrent me propose le même service. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est moins cher. À 165 000. Moins cher? On avait conclu à 85 000. Pour Solano. Mais vous ne m'aviez pas dit qu'il vivait avec sa femme. Je pensais pas qu'elle était concernée. Vous pensez trop. J'ai votre homme en plein viseur. On peut trouver une solution. Lui aussi, il est en plein viseur. Quoi? Bon, attendez. 160 000 les deux. 150 000. 155. Attendez mon signal. 155 000. Vous avez une proposition plus intéressante? Bien sûr.
Laquelle ? Vous évitez la prison. Qu'entendez-vous par là ? Je n'aime pas casser du sucre sur le dos d'un concurrent, mais votre prestataire est très mal positionné. Il compte tirer d'une fenêtre située dans l'immeuble d'en face. C'est fiable pour abattre quelqu'un, mais un peu naïf. Et vous ? Vous êtes où ? À un endroit d'où lui-même ne peut m'apercevoir. C'est beaucoup plus loin, mais beaucoup plus sûr. Donc vous prenez le risque de rater votre coup ? Des risques, il y en a toujours. À vous de savoir celui que vous voulez prendre. Rater votre cible ou vous faire découvrir. Les cartes sont entre vos mains, alors à vous de jouer. Ouais. Vous êtes placé où exactement ? Juste derrière lui, dans les meubles d'en face. Croyez-moi, 155 000, c'est une affaire. Allô ? Je ne sais pas. Faites-moi confiance. Je suis prêt à baisser mes tarifs à 145 000. Écoutez, vous avez toujours été très pro, je vous en remercie. Mais pour cette affaire, je... Attendez. 140 000. Je suis désolé. 150 000. La sécurité a un prix. Vous pourriez douter de mes compétences si j'acceptais pour une telle distance. Vous êtes sûr de l'avoir ? Non. 155 000. 150. 10% de remise pour une première opération et 30% d'offert si une seconde balle est tirée. Pour deux objectifs atteints, le troisième est à moitié prix. 155 000. Ok, allez-y. Je sais. Mais je peux lui obtenir une protection judiciaire auprès du juge. T'as fini ? Il accepte de me rencontrer ? Olivier. Quand ? Mais c'est dans moins de deux heures. Olivier, je peux pas faire tout toute seule, tu sais. Je comprends. Écoutez, je pense que vous et moi, ça va manquer. Je vous rappelle. Qu'est-ce que vous attendez ? Que mon confrère arrête de jouer avec mes cibles. Je vais faire un jeu. Approche-toi ! On peut savoir à quoi vous jouez ? 140 000. 140 000 les deux. Laissez-moi une minute de réflexion. L'amour, ce qui reprend des couleurs. La place a enregistré avant-hier. Hausse 0,6% à 6050 points. La clôture hier. Une hausse principalement due à la privatisation récente des entreprises pétrolières françaises. 132 000. Avouez que c'est difficile de refuser. Non. Le siège pour les cours du pétrole brut. Le marché américain s'est encore montré plus hésitant. Votre prestataire a déjà tiré 4 coups et 4 de trop. Je vous avais prévenu qu'il était trop visible. Si quelqu'un l'a aperçu, il a déjà appelé la police. Ah, 350 000. Vous plaisantez. Votre objectif est blessé et s'apprête à sortir. Votre prestataire a déjà tiré plusieurs coups d'un endroit visible. Je n'ai tiré aucune balle. Personne ne sait où je suis, pas même vous. 350 000. 250. 300. Vendu. Le DAX monte de 0,64% et le FTSE gagne 0,57%. Restez avec nous sur Itélie, on se retrouve dans un instant pour d'autres infos. Ne vous inquiétez pas, je vous rappelle d'ici la fin de la semaine. D'ici là, passez une bonne journée et merci de votre confiance. Combien ? 300 000. T'aurais pu faire mieux. Vas-y, c'est bon, arrête de me traiter comme un gosse. T'es pas comme un gosse, je te forme. Tu auras d'autres, papy.
Dis donc, ce petit con. Ah, t'es connerie, putain. Viens. C'est qui celui-là? Candidat à la mortalité.